In regards to the scripture that was read this morning in Revelation chapter 4, nous dit le Seigneur merci pour tout ça le fait, les souverains, les grands mondes, et les grandes raisons particulières qui fait ça. And we thank the Lord for being the dough and doing as he pleases, because we know we have a special reason why he did this. Et qui t'aime que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, quel que soit dans épître ou bien livre qu'on lit, lit toujours été la parole de Dieu. We say that the word of God remains always the word of God, no matter what epistle, no matter what book you may be reading. Et maintenant, nous t'ai qu'à constater que dans l'Apocalypse chapitre 4, il est question des trônes, il est question de royaumes. We see that when you read Revelation chapter 4, you see that it speaks about thrones and it talks about kingdoms. Et yon nan bagay ke m'ta remè attire attention avant nous à la li yon l'autre portion d'écriture, c'est que trône bon Dieu ya li reposé sous des fondements, li reposé sous des bases, sous des colonnes. Okay. So one of the things that I like to attract your attention to is the fact that we see, according to Revelation chapter 4, that the throne of God is founded on a certain foundation, or what we'd call columns. Et yon colonne, yon base, yon fondement que trône bon Dieu a gagné, c'est l'église Jésus-Christ. And one of the columns or the pillars that supports the throne of God is what we would call the Church of Jesus Christ. Parce que les noms attendent, les noms apprennent, les noms lient la parole là pour joindre que les gagnants la donnent à 24 le trône qui c'est fondement royaume bon Dieu là et dans 24 là nous joignent 12 là dedans c'est pour les apôtres. Et quand tu as parlé de apôtres, il faut faire référence à l'église de Jésus-Christ. So we see that when it talks about the other thrones, those are the 24 elders, 12 of those thrones represent the apostles of the New Testament, and we know that through them, the Church of God, of Christ is represented. Et yon nan bagay ke m'ta remè attire attention, c'est que si ou la encore sous la terre, si ou la encore nan monde sa, ou ap vive toujours, ou l'église de Dieu de Roselle, ou bien dans n'importe l'autre assemblée qu'on trouve, soit ici aux États-Unis, ou bien dans n'importe l'autre pays, songez que l'église Jésus-Christ, c'est où même et que c'est où c'est une base royaume bon Dieu. Amen. So we like to remind you, you know, whether you be a member of the Church of God or Rosario, or you might be a member of elsewhere, I want to remind you that you are part. No matter what you be going through, you are part of the column of God that supports the throne. Hallelujah. Et puisque royaume mon Dieu a son royaume qui solide, pas de monde qui ka craser le, pas de monde qui ka défaite li, pas de monde qui ka bal coup d'état, ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout ton royaume mon Dieu a existé et que ou même encore sous la terre, son privilège même pour la terre. Amen. Because as long as the throne of God exists, and you know, it will always exist because God cannot lose and he cannot get a coup d'état, always remember that as long as you're here on earth, it's a privilege for the earth. Et c'est pour ça m'a dit ça matin, pas qu'il t'a impressionné, pas qu'il t'a tremblé, parce que l'autre ennemi a fait toute qualité vieux projet, pas oublier, Dieu règne encore. So I want to remind you, so no matter what the enemy may be doing, whatever evil plans that he might have, remember that the Lord reigns. Amen. Et bon Dieu compte sur vous, lui compte sur moi. Ou même cap suivre nous, ou même cap garder nous à travers YouTube ou bien Facebook, qui t'aime rappeler ça matin, hein? Bon Dieu compte sur vous, même je le compte sur moi pour royaume venir continuer à avancer. So I want to remind you, whether you're watching on YouTube or Facebook or elsewhere, that the Lord God, he counts on you on the same way that he counts on me for his kingdom to advance. Et voilà, pour lui capable continuer pour lui capable aider nous supporter royaume nan, ou du moins encourager nous li béni nous li ba nous ça nous relé des bénédictions. And to help us support his kingdom, what he does is that he gives us blessings. Et bénédiction ça yo puisque c'est dans bon Dieu que yo sorti, pas gen moun qui ka empêcher, pas gen moun qui ka refuser yo, dans le sens que yo pas ka empêcher ou béni, même si gen maladie, même si gen problème, même si gen toute qualité difficulté dans monde ça, surtout dans temps actuel ça, moun que bon Dieu béni, li bénil net.
And what's so beautiful about the blessings of God is that they cannot be refuted or they cannot be stopped by someone else, in the sense that if they want to stop your blessings from coming, they cannot, because they come from God. So I want to remind you, no matter what you may be going through and what circumstances you find yourself in, if you have the blessings of God, you are truly blessed. Et m'ta remè rapplo, bénédiction ça que n'a parlé a, li pas toujours synonyme de l'argent. And we want to remind you that the blessings of which we speak is not always a synonym of what we'd call money. Li pas toujours synonyme de belle caille. It doesn't always go with beautiful homes. Li pas toujours synonyme de gros assemblée. It doesn't always imply a large congregation. Li pas même synonyme d'un pile connaissance dans monde ça. It doesn't even signify that you have a lot of knowledge here in this world. Mais c'est pas le simple fait ou gain relation avec bon Dieu ou en paix avec bon Dieu. But by the simple fact that you have a relationship with God, you're in peace with God. Et c'est sa Bible a enseigné nous. La paix avec Dieu, c'est plus gros bénédiction, plus gros richesse pour yon moun ka vive dans monde ça. And this is what the Bible teaches, that the peace of the Lord is the biggest blessing that we can find here in the earth. Et c'est pour ça matin un sujet que nous pral traiter ensemble avec vous dans peu de temps qui restait, c'est les bénédictions de l'Éternel, un héritage familial. Which is why we're about to preach from the subject that says the blessings of the Lord, familial heritage. Pour qui ça nous dit que c'est une bénédiction familiale ou bien un héritage familial? Why do we say that it's a familial heritage? Parce que pendant tout mois de mai, ici, dans l'église de Dieu de Roselle et un peu partout et ailleurs, nous gagnons tradition pour nous réserver mois de mai, tout comme nous t'es capable n'importe l'autre mois, pour nous parler de la famille. So why we talking about the family is that, you know, here at the Church of God of Roselle, we have this tradition where during the month of May, we take some time apart to talk about the family. Parce que la famille, c'est une entité que nous, bon Dieu, accordé en pile importance à elle. Because the family is something that we see that the Lord God puts a lot of importance on. Et li assure à ce que les familles, et surtout les familles qui croient en lui, qui appuient sur lui, pour pas jamais manquer rien. And he assures that every family that who trusts in him, who puts their trust in him, that they never lack anything. Ah, peut-être que vous attendez matin, vous dites, mais pour qui ça, c'est chrétien, et notre famille, nous pas servir l'autre Dieu, nous pas servir idole, et voilà que nous gagnons des manquements. Then you might ask me, well, why is it that I'm a Christian, my family is Christian, we serve another God besides the one true God, but why is it that we are lacking in some ways? Qui demzou que quelquefois manquement qu'on gagne, il fait partie de plan bon Dieu. Well, I want to tell you, whatever you may be lacking, it is considered in the plan of God. L'homme dit qu'elle fait partie de plan bon Dieu, ça pas veut dire que bon Dieu pas capable ba ou soit besoin. When I say it's a plan of God, it doesn't mean that God cannot give you what you need. C'est pas parce que il pas qu'a fait son vle le fait pour ou. It's not because he cannot do what you want him to do for you. Mais na plan pal, na calcul li, li wa que li poko ka ba ou ça, ou du moins ça, li pas doué ba ou so mandé parce qu'elle pas bon pour ou. So it's just that in his plan, he sees that he cannot yet give you what you ask for, or he will not, because it is not good for parce you. Parce qu'en pile des fois, même avant, comme petit bon Dieu, nous pas même qu'on ça qui bon pour nous pour demander. Because a lot of times, you and I, as children of God, we do not know what is good for us to ask for. Des fois, nous même demander bagay nous pas besoin. At times, we even ask for things that we do not need. Des fois, nous même besoin, nous demander bagay qui pas important. We even ask for things that aren't even important. Justement parce que sensation, nous passion, nous folie, nous dit nous font gagner, nous t'es pas son côté, nous t'es ouais, yo moun gagner, nous voulons gagner tout, tandis que bon Dieu, nos compassion et amour, li ouais, s'il quitte nous joindre ça, li capé Dieu nous, de ce fait, li dit, font titane. So, you know, we've gone somewhere and our sensations, our folly, our humanity sees something elsewhere and we decide that we want it, but God in his love and his compassion for us, he understands and he knows that if he does give it to us, it won't be good for us, so he says no. Et pendant waptan m'encourage, c'est pour toujours être dans la louange, dans l'adoration et dans la prière. And I would implore you, as you're waiting, to always stay in prayer and always stay in worship and always stay in consecration. Écoutez, quand Dieu fin créé la première famille, when God was done creating the first family, li déclaré dans Genèse, ouais, li déclaré dans Genèse chapitre 1er le verset 31, l'elfine créé première famille, hein, li béni yo, li ba yo tout ça que yo gen besoin, et puis bon Dieu rete lui-même li dit tout bagay très bon.
We see in Genesis chapter 1, verse 31, after he was done, God was done creating the first family, he blessed them, and it says that the Lord God saw that everything he made was good. Ça veut dire que bon Dieu comme papa nous l'essayons modèle, l'essayons papa responsable. So this means that God as our father is a model, he is a responsible father. Et l'el bénit nous comme famille, comme foyer. And when he blesses us as a family, la patan à ce que nous bénit petit nous yo tout. What he's waiting for is for us to bless our children. Qui ça parce que bénédiction que li ban nous, li pas seulement ban nous pour moi-même, pasteur Joël a démarre, mais li bénim également même pour petit Samuel qui pral fête et qui poko fête. When God blesses me, he blesses Pastor Adamar for not just for himself, but for his son Samuel, who before he was even born. Et ensuite Samuel lui-même, bon Dieu pral bénir soit l'ajouter sous bénédiction que bon Dieu t'est bon moyen, mais la bénir pour l'autre petite, l'autre génération qui a venu pour qui ça? Parce que c'est à travers bénédiction, bon Dieu, yo dans la vie ou comme famille, que l'autre moun yo besoin reconnaître la grandeur de Dieu. So as God blesses Samuel, it won't just be just for Samuel, but it'll be for Samuel's children and for their children, because it's through the blessings that God gives us that it serves as a testimony for the others of the greatness of God at work in our lives. Maintenant, je voulais attirer attention pour dire que famille, responsabilité que nous gagnons en tant que famille, surtout les familles chrétiennes. So we want to remind you this morning that, you know, our responsibility as families, or especially as Christian families, non seulement pour nous voyer ti moun yo l'école, faire éducation yo, occuper yo, ba yo sa yo gen besoin en termes de vêtements ou bien l'autre bagaille matériel. So not only is our responsibility to send our children to school, to go learn and to buy clothes for them, mais également pour nous faire reconnaître la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu à travers la vie, nous. But it's also to help them to recognize the faithfulness of God, the goodness of God, and the power of God through our lives. Et c'est une raison où même parents cap suivent nous matin ça. And this is one of the reasons you parents that are watching this morning. L'important pour situer ou pour prendre position en tant que parent dans foyer ou dans travail ou dans tout environnement que vous vivez. It's in your best interest, you know, to take your position, you know, in your marriage, in your family, in your work, in the situation that you're living in. Et quand on parle de position, c'est position en tant que petit bon Dieu, en tant que monde qui bénit et qui dépend de la bénédiction de l'Éternel. And when we say position, we mean as a child of God and somebody who is living for God, who has been blessed of God. Et c'est une raison, nous pas qu'à parler n'importe qui. And it's one of the reasons why we cannot just speak any old way. Nous pas qu'à habiller n'importe gens devant ti moun yo. We can't dress any old way in front of the kids. Nous pas qu'à faire n'importe qui qualité commentaire en présence de ti moun yo. We can't just make any sort of commentary or remarks in front of the kids. Parce que c'est à travers nous-mêmes yo supposé premièrement ouais la grandeur de Dieu. Because it's through us first that they are supposed to see the greatness of God. Et c'est une raison moi avec nous besoin toujours à parler bon parole. Et parole qui sorti dans bon Dieu. And this is why you and I, we should always be speaking good words and words that come of the Lord. Par exemple, c'est pas parce que nous voulons qu'on résilie à aucune situation, ou du moins c'est pas dire n'importe où gens hier ou bon, pas besoin de faire plus d'effort. En pile des fois, on regarde des situations avec yeux charnels ou et puis oublier que au grand Dieu qui dit je suis l'Éternel et c'est là mon nom. So it's not always saying that you're good and you're not good, but it's at times it's that we might view the situations through our carnal or in the human eyes, and we forget that we have a spiritual eyes, you know, that recognizes the God in heaven. Là, n'appli la parole de Dieu, nous joigne parole qui a sorti dans bouche nous, li gen pile pouvoir. When we read the words of God, we see that the words that come from our lips has a lot of power. Et Jésus-Christ même li déclaré, li bay exemple dans Jean chapitre 6, le verset 63. We see that Jesus himself, he declares it, and he shows us in John chapter 6, verse 33. Li encourager nous pour nous faire attention. Pour qui ça? Parce que parole qui sorti dans la bouche nous, li gagne pouvoir pour li bénir, pour le délivrer, pour le guérir, pour le libérer.
Because he asks us to pay attention to what we say, because the words that come from our lips have the power to bless, have the power to liberate, have the power to heal. C'est-à-dire, moi-même comme serviteur de Dieu, comme parent, d'une fois que je finis de découvrir secret ça, avantage ça, que bon Dieu bon moins à travers la Bible. So I, as a parent, when I discovered the secret that the Lord has given me through the Bible, je dois utiliser le comme une âme et sous comprendre ça me on âme défensif et même on âme pour m'offenser pour m'attaquer diable, attaquer baka, la misère, la pauvreté. So, you know, as a parent, decide to use this as what we'd call a defensive weapon to defend, and not just that, but also as an offensive weapon to speak against the devil and his kingdom, and to speak against poverty and sickness. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que y a des situations que moi avoir nous trouver la donne, les pas réellement sorti dans bon Dieu. So what this means is that certain situations we find ourselves in, they don't really come from God. Et si me constater que situation ça, les pas gagné gloire bon Dieu la donne, c'est pour m'utiliser parole. Que bon Dieu bon moi parole qui dans Bible là parole qui a sorti dans bouche moi pour me chasser mauvaise situation ça yo et transformer yo en situation favorable. So if I find myself in a situation and I know it's not for the glory of God, what I have the power to do is to use the words of God, to use the words that come from me and from my lips to speak my way out of the situation. Nous entendons que n'a parlé avec des parents. You may see that we're speaking to the parents. M'a parlé avec tête moi tout. I'm speaking to myself as well. Parce que m'gon foyer. Because I have a family. M'gon madame. I have a, well, you have a wife. M'gon petit. He has a child. Hallelujah. Donc ça veut dire en tant que parent. So as a parent, from prendre avantage, I must take advantages. La parole bon Dieu, given to me through the word of God. Pour me bénir famille, to bless my family. Pour me bénir madame moi, to bless my wife. Pour me bénir petite moi, to bless my kids. Et même si ennemi on t'a voulu mettre petite moi dans une mauvaise posture. And even if the enemy wants to put my child in a bad posture, c'est responsabilité pour utiliser la parole de Dieu qui est une épée. It's my responsibility to use the word of God, which is a sword, pour transformer situation. To transform the situation. Donc, parole dans bouche ou gain pouvoir. So the words of your lips, they have power. Si ou même comme parent ou prononcer sur petit ou. So if you as a parent, you're pronouncing on your child. Et ou prononcer des paroles mauvaises. And you're pronouncing wicked things. Malédiction. Curses. M'bo garantie. I guarantee you. Yon jour gain pour elle. One day you will see it. En pile la fois timoun yo yo commencé à faire des ordres ou du moins il a fait bagaille qui pas faire au plaisir ou pas jamais songer que c'est ou même en tant que parent qui t'ai déclaré yo mauvaise parole sur yo. A lot of times we see our kids start doing bad things or things that we would not want for them, but we forget at times that it's us as parents who first declared these things over their lives. Oh bon Dieu, li relè nous en tant que parents, non seulement li ban nous responsabilité pour nous vivre et continuer avec ministère sous la terre. So God has called us as parents to not only to live and to be his ministry here on the earth, mais également c'est pour nous faire bénédiction lio continuer exister de famille à famille, de génération en génération. But it's also our job to make sure that the blessings that he has given they continue from generation to generation. Ça veut dire moi-même journée jodi à responsabilité c'est pour me bénir Samuel. So that means me today my responsibility is to bless Samuel. C'est pour me bénir petit moi. I must bless my child. C'est pour me bénir madame moi. I must bless my c'est wife. Pour me bénir tout le monde qui dans entourage moi. I must bless everybody in my entourage. Parce que bon Dieu ban nous déjà capacité ça. Because God has given us this capacity. En pile mon a dit mais pasteur comment? A lot of people say, "But pastor, but how?" Parce que en pile des fois bagaille paraît dur pour moi. Because a lot of times the things are difficult. Quelques fois pas même moi on porte de sortie. Sometimes I don't even see a way out. Qui t'aime parler avant ou même matin. Well, let me speak to you directly this chaque morning. Chaque fois voyez je regarde ouais toute porte semblait fermée. Every time you look and you see as though every door is closed. Ou regarde ouais pas gagné situe, pas gagné issue pour ou pas ouais porte de sortie. And you saw that there is no way of escape for you. M'a encouragé, prends la parole de Dieu. I encourage you to take the word of God. Utilisez la parole de Dieu. And to use the words of et God. Et commencez bénir tes tout. And begin to bless yourself. Prononcez sous famille ou des mots de bénédiction. Pronounce upon your family words même of blessing. Même si docteur t'a bay pronostic, il n'y a pas de chance encore. Even if the doctor's prognosis says that there is no chance. Même si for la you. Société dit pas de espoir encore. Even if society says there's no hope. Même anymore. Si la médecine dit tout le monde t'a doit périr. Even if medicine says everybody's going to perish. C'est pour même camper sous la foi qu'on joigne dans parole mon Dieu. You must stand on the faith that you et déclarer sous la vie au nom de Jésus ma vie. In the life au nom of the de Jésus, petit, moi, à vivre. My children will live. Au nom de Jésus, famille, ma vive. In the name of Jesus, my family will c'est live. C'est ça, parole, bon Dieu a dit. This is what the word of God says. Parce que bon Dieu, because God, avant même que l'il a gagné nous sous terre,
Even before he released us here on earth. Pour nous commencer faire activité, li béni nous. To do these activities, he blessed us. Li béni nous. He blessed us. Li béni nous. He blessed us. Ou même kap tedem ou sou moun ki béni. You who are listening, you are bon blessed individual. Bon Dieu pas créé pour te créer pour vivre mal. God did not create you to live wrong. C'est une raison à boire avant même qu'elle faut exister. Li met un paquet de bagay là pour ou déjà. This is one of the reasons that even before you existed, he put a lot of things here même pour utiliser pouvoir qu'elle ba ou. So that's up to you to use the power that he's given you. Pour attirer sou ou même ak famille ou. To attract upon yourself and you and your family. Les bénédictions de l'Éternel. The blessings of the Lord. Bon Dieu bénit ou l'église. God bless you, church. En pile des fois nous chita n'a contemplé la misère ou bien la pauvreté, n'a contemplé les situations difficiles. A lot of times we sit and we contemplate misery or the bad situations. Et quelquefois nous même dit nan jan moi bagay la, jan bagay yo pralé la, ou quoi m'a échappé, ou quoi m'a bon, jan moi bagay la yé la, ou quoi ti moun nan a réussi. Sometimes you even looking at around your situation, you said, will I really succeed based on how things are going? Will I really come out? Will I really have victory? Will life really be okay for this child? Qui t'aime zo? C'est pas ou croire pour dire. C'est pas douter pour douter. What I want to tell you, it's not will it or the fact that you should doubt. C'est pas question pour poser. You should not even ask any questions. C'est dans parole bon Dieu pour puiser. You must go deeper. C'est pour lever dans matin, c'est pour cramper garder, déclarer dit Seigneur ou t'es dit, toutes les familles de la terre seront bénies, seront bénies en Abraham. Donc moi me c'est une là d'ailleurs, me déclarer me béni à famille au nom de Jésus. You must wake up early in the morning and take the word of God to God himself and say, God, look, you said that the world will be blessed and all the children of Abraham shall be blessed. And this promise is for me as well. So that means the situation cannot stand. Seigneur, où t'es dit, quel que soit ça m'a besoin, c'est pour m'mande au lit. Eh bien, m'mande au kounia, petit garçon, ça m'a rien qu'à bon problème. Là. On dirait diable voulait prendre tête lit pour faire le vin un vagabond. M'campé sous parole pour me dire au nom de Jésus, petit moi un pape vagabond, petit moi un pape de l'école, petit moi un pari droit parmi les drogués. Au contraire, lui doit un serviteur de l'Éternel. Amen. So God, I use these same words. I see that my child seems to be going down a bad path, and the devil's trying to take his mind to make him do these wrong things that go against your will. But I will remind you, God, that he is yours, and you say that he will be your servant. Hallelujah. Parce que c'est pour ça, bon Dieu, relé nous. Because this is why God has called us. C'est pour ça, lui continuer à bénir nous. This is why he has continued to bless us. C'est pour nous capable bénir l'autre monde. It's for us to bless others. Ah, qui t'aime zo, li pas seulement relo. S'il relo pour bénir l'autre monde qui pas gagné lien familial avec eux, on pas besoin d'ou pour famille ou. Well, if he's called you to bless people that aren't even part of your family, I'm not going to tell you about your family. Moi, me refuse catégoriquement pour l'autre monde à bénir à travers ministère et puis pour famille pas m'pas béni. You see, what I refuse to happen is that other people to be blessed through my ministry, but yet my family suffer. Écoutez. Let me tell you. Dieu n'est pas injuste. God is not unjust. Il est fidèle. He is faithful. Il est un bon Dieu. He is a good God. M'après dire encore, Dieu pas injuste. I'll say it again, God is not unjust. Dieu c'est un bon bon Dieu. God is a good good God. Comment vous devez comprendre moi avec vous comme serviteur et servante de Dieu? Well, how could you understand that you and I are servants of God? Bon Dieu mandate nous pour nous prêcher l'autre l'évangile du royaume. God has mandated us to preach others the gospel of the kingdom. To let them know of the goodness of God. Faire connaître qui Jean bon Dieu grand. To let them know of the greatness of God. Pour nous faire connaître qui Jean bon Dieu capable. To show them how capable et, our God et is. Mais l'aide camper devant yo. C'est pour nous prêcher yo. Yo supposé ouais grandeur bon Dieu dans la vie nous. When we preach, they should see the greatness of God at work in our lives. Et c'est pour ça que m'a invité au cougnier la même quand on camper la caillou dans famille. Prends cadre, prends autorité, camper sous des pieds, déclarer au nom de Jésus, famille m'a pas passer mal, la vie m'a pas passer mal, la vie petite m'a pas passer mal au nom de Jésus. So declare it right where you are at home in the midst of your family. Declare, take your authority as a child of God and say, I am blessed. My family is blessed. My children is blessed. Their lives cannot go bad because Hallelujah. God is in our midst. Pablier, où c'est une fondement yo. Don't forget, you're one of the pillars. Fondement du royaume de Dieu. One of the pillars of the kingdom ça, of God. Ça veut dire que là où mon ouais. That means when somebody sees you. Là où mon tendeur. When somebody hears you. Là où mon approche. When somebody approaches you. C'est pour loin approcher petit mon Dieu. C'est pour loin approcher petit mon Dieu. C'est pour loin approcher petit mon Dieu. They must see the C'est pour loin la gloire de Dieu dans la vie. They should see the glory of God at work in your life. C'est ça bon Dieu dit. This is what God says. Et c'est une raison, il pas quitter nous seuls. And one of the reasons he doesn't leave us by ourselves. Il mettait des anges.
He has placed angels tout autour de nous, all around us, qui pour aider nous, to help us, qui pour comprendre nous, to understand qui us, pour accompagner nous, to accompany us. Ça veut dire sans pas qu'à faire. That means that we cannot do. Des anges pour faire pour he vous. Put angels here to que do. Des portes qui devant ou même pourquoi ou pas qu'à ouvrir. Certain doors before you can open it by yourself. Des combinaisons fait sous dos ou même ou pas qu'à craser. Certain cloths they put against you, you can't break it by yourself. Your power is too little. Les mettez des anges pour veiller sur vous. He has placed angels to watch over you. Mais en pile des fois moi avoir nous croit pas anges. But a lot of times you and I, we forget the angels. En pile des fois nous rendons anges impuissants. We render them with no power. En pile des fois nous voulons changer nature anges. A lot of times we want to change their nature. C'est-à-dire en pile des fois au lieu que nous attribuer sacrifier nous à la gloire de Dieu, à la grandeur de Dieu, nous dissembler c'est Satan. A lot of times we say what has happened to us is because of Satan as opposed to the greatness of God. En pile des fois moi avant l'église là, là nous constater bon Dieu béni servante là, bon Dieu béni frère. Au lieu nous dit bon Dieu merci, nous rendre gloire à l'Éternel, nous dit bénédiction ça va s'enner sauf. A lot of times when we see God has blessed another servant in the house of God, rather than saying and praising God for the blessing, we say this is not of God. Satan li mette nan kan nou jalousie. God has placed jealousy in our hearts. Justement pour nous capable négliger la grandeur de Dieu. Simply so that we could neglect the greatness of God. Bon Dieu pa mwen pa gagne ki possible pou li non. My God, nothing is impossible. Ou même quand suivre là pendant qu'on couche l'hôpital là, qui t'aime tout ça. Bon Dieu pa gagne ki possible pou li non. And you who are watching right now in the hospital, I want you to remember that nothing is impossible for God. You must only act upon your faith. And declare upon your life. Même si m'couche côté m'couche là. Even if I'm sleeping where I'm même sleeping. Si bagay yo chayoye là. Even if things are as they are. Au nom de Jésus, m'a sorti la donne. In the name of Jesus, au nom de Jésus, m'a traversé. In the name of Jesus, au nom de Jésus, m'a retourné à la vie encore. In the name of Jesus, I will return to life again. Parce que bon Dieu, nous, c'est lig, bon Dieu. Because my God is the one true God. Le Psaume 115, il dit nous. Psalm 115, it tells us que Dieu que n'ap servi ya li gen je li wè. The God that we serve, his eyes they see. Li gen zorey li tande. He has ears and he hears. Donc si li gen zorey li kon tande. Well, if he has ears and he listens. Si li gen zye li ka rive wè. And if he has eyes and he can see. Si li gen men li ka aji. And if he has hands and he can act. Nan situation difficile la. When I'm faced with difficult situation. C'est pour mettre genou ma terre pour me rele bon Dieu. I must go on my knees and call bon my God. Songe, c'est lig bon Dieu. And remind God that he is God. Dit, c'est pour me rele nan jour de tresse. You said that I will call upon him. Et trouver mon situation la. I find myself in a situation. M'page maman, m'page papa. My father and my mother cannot help me. M'page moun ki pou vole au secours de moi. No one that can come to my rescue. Puisque Dieu li wè kote mye a. God, because your eyes see where Gade, I'm at. M'attend délivrance là. I am waiting for the deliverance. Et bon Dieu tout de suite li délégué des anges. And God in the same moment he sends des anges qui pour venir pour ton secours. Angels will come to give you help. C'est pas tout le temps nous même n'a répété nous dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. A lot of times we say that the angels of the Lord they stand around those pour les arracher. To help. Pour les arracher du danger. To deliver him from danger. C'est-à-dire, bon Dieu mettait des anges à disposition. Non? That means God has given us angels to serve us. Et qui t'aime tout, même anges ça yo. And let me remind you that even these angels. Depuis, pas oublier que yo là pour yo recevoir l'ordre nommé bon Dieu. They are here to receive orders from the hand of God. Bon Dieu passe ses anges li Lord li di m'a voyo la kay Pastor Daniel. God gives his angels an order and says, m'a voyo la kay Pastor Jerry. The house of Pastor Jerry. M'a du gade ale kay Sœur Claudette pou mwen. Go to the home of Sœur Claudette. Lorsque kay Sœur Claudette pa bliye pou fon checker la kay Pastor Larry. Don't forget to check the house of Pastor Larry. Parce que m'bezwe petit sa yo. M'bezwe fon miracle nan la vi yo. Because I need these children and I'm going to do a miracle yo wa se mwen bon Dieu yo. I want those who are watching to see that it's I am God. Lorsque visiter la rue gade ou même songe passer la caille pasteur Joël là. Faut checker la caille Chanel Tablez. Check the house of Sister Nell Tablez. Parce que c'est servante moi yoye. Because c'est serviteur moi yoye. Dwe beni yo, m'vle beni yo. I want to bless them. Non seulement m'vle beni yo. Not only do I want to bless them. Mais m'vle beni yo abondamment. But I want to bless them in abundance. Pour yo capable chwen pour yo beni l'autre monde. So that they can have enough to bless others as well. Parce que la bénédiction de l'Éternel. Because the blessings of God. C'est un héritage. They are a heritage. C'est un héritage. They are a heritage. C'est un héritage. They are a heritage. Familial. A familial. Les bénédictions de l'Éternel. The blessings of the Lord. Sont un héritage familial. Or a familiar heritage. En plus des fois, moi, avant, les nous en colère. A lot of times, you and I, when we're angry, nous courir des anges. Oh, we run after the angels. Nous croiser des anges. Oh, we blame them. In a nous rendre des anges impuissants. We render them powerless. Parce que, qui nous tellement pas les vieux causés.
Because at times we talk so much about bad things. Paroles. We say bad things. Et puis tout, zanjou, côté pour yota agi, yon obligé camper à regarder nous. And now the angels, where they're supposed to act, they have to stand back and watch us. I would like you to pierce this mystery that I'm giving you. Let's go to a psalm that everybody's going through, even if they're not used to reading the Bible, and this will end times. Let's go to verse 11 pour on bagay. Parce que pile des fois nous lio, mais nous pas prêter attention sur sa parole yo dit. Là bon Dieu ba nous yon avantage sur lui. And we're going to start from verse 11, because a lot of times we read, but we don't really pay attention to what the words are saying, because here we said that God has given us an advantage. La koto ye la kayo, map invito, sou gen bib, gade, msouete ke ou gen bib, pran bib la, som koremen li en pile la. Surtout ou même captandem là, me connais ça, ou aimer l'île. Elle ces derniers temps ou l'île souvent. On a regardé pour elle dans Somme 91. On a commencé lire dans verset 11 là, me va faut découvrir un secret. Kounya ou pral lire Somme avec on l'autre attention, on l'autre intérêt. So I invite you who are homeboy listening right now to take your Bible with me and go to Psalm 91. You like to read it anyway. Yes, you especially. Read it with me. We're going to start from verse 11. M'appelez pour à partir de verset 11 pasteur Larry, l'opini Walil ou même na version pour arriver dans verset 13. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. So we're going to read from Psalm 91, verse 11 to verse 13. And it reads, he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against the stone. You shall tread upon the lion and the cobra. The young lion and the serpent you shall trample underfoot. Ça veut dire, matin, ça m'a pas connaît. Peut-être ou capable. T'appelles somme non mon pas déjà me rendre compte de ça. Gen pile situation qu'on la donne, yo tellement agressif, yo vini pour poto aller, faut dire c'est des lions qui vini pour dévorer. So you probably read this song, but you never paid attention to this part. Some situations you find yourself in, they're so difficult, you might say that it's as though lions have come to devour you. Eh bien, chaque fois, on trouve devant situation ça, pas qui t'ont dérangé, pas qui t'ont troublé. Au lieu que vous parlez avec doute, ou bien vous prononcez des paroles de malédiction sur la vie, apprenez qui ça somme dit là. Il ordonnera à ses anges de te garder. So every time you find yourself in these situations, rather than speaking bad and being discouraged or doubting, I want to remind you of what this verse says in verse 11, that he has given his angels charge over you to keep you in all your ways. So church, no matter what you may be watching from, I want to remind you that you have angels that are watching over you. I want you to be mindful of this when you go out. When you're home, in your car, to know that you have angels of the Lord watching over you. Do whatever you can to not sadden the angels. Do what you can to not crop them out. And I'm going to give you a secret. Chaque fois situation paraît tellement troublant, ou pas ça pour faire. You see, when you find yourself in a situation where you don't know what to do, regardez, fermez yo comme ou ka pa ka wè zanj yo. Imaginez que yo boko de dit, konnen zanj mwen yo, on ale leve kapè. On ale pase nan Samuel la, m bezwen aid nou. Amen. So what you do when you find yourself faced with these situations, I want you to close your eyes because you cannot see the angels with physical eyes anyway. And then imagine that they're there with you and say, where are my angels? Where are my angels at? Parce que Bible dit, il ordonnera des anges non seulement de me garder, mais de me porter sur les mains. Because this is not only what the angels given charge of me, but in their hands they shall bear me up. Et ça fait me comprendre parole ça qui écrit dans Isaïe 43 quand elle dit l'eau a traversé du feu a pas brûlé. Because this helps me to understand the verse I find in Isaiah 43 says, when I go through fire, I will not be burned. When I go through water, the water will not carry me away. In the moment we're speaking, a lot of people are in the fire. A lot of people in the fire of sickness. When people cannot come see you, people cannot visit you. It's as though there's water that wants to carry you away. I want to remind you. Vous avez des anges avec vous. There are angels with you. Vous avez des anges avec vous. There are angels with you. Il y a des anges qui sont à votre disposition. There are angels here at your disposition. Des anges qui regardent. I have angels that are watching over me. C'est pour ça que je n'ai pas peur. This is why I'm not afraid. Je n'ai pas peur. I'm not afraid. Quelle que soit situation. No matter what the situation may be. Des anges qui regardent. I have angels that are watching over me. Hallelujah. Hallelujah. Moi, bon témoignage rapide. I'm going to give you a testimony very quickly. Les moyens
troisième année faculté Haïti. When I was in my third year of school in Haiti. Yes, par exemple, ça c'est l'année 97, par exemple. This is the year 97, I was yes. close. Yes, 1997. Yon élément que m'te kon travaille avec lui souvent dans question informatique. There was a man that I work a lot with in in terms of informatics. Il arrive que monsieur c'était yon initié dans maçon loge que moi-même moi pas connais. But unbeknownst to me, this man was a Freemason. Et nous habitué hang out ensemble. And we would, hang out together. Puisque nous ap travaille, n'ap préparé, n'ap fait devoir, n'ap fait projet nous ensemble dans informatique. Because we'd work together, we'd score together, homework together. At times he'd come to my house, and other times I'd go to his house. Mais monsieur c'est maçon, même pas connaît. But he's a Mason, I didn't know this. Et puis un jour monsieur est tenté pour le sonder. And one day he had the intention of testing me. Monsieur choisi pour le faire check sur moi. He decided to check up on me. M'pa connaît qui ça le fait, m'pa connaît qui prier le réciter, m'pa connaît qui degré le t'a obligé prendre pour le ca venir checker. So I don't know what prayer he did or what school he went to or what prayer he did so that he could try to check me. Et puis son jour me croiser avec monsieur pendant nous pral régler une question informatique, un projet était ban nous sur Lotus. À l'époque c'était une question de Lotus pour monde qui était fait informatique longtemps yo, c'est pas Excel. So we were going to do a project, on Lotus before people used Excel, is what they used back in the day. Et puis monsieur bam la main. And he shook my hand. Là, monsieur bam la main, parce que Daniel, monsieur pesait même, et puis monsieur dit, ah, vous-même, vous papi, petit, non? And he shook my hand, he said, ah, you're not small, you. Et puis automatiquement, monsieur dit que mon papi, moi, me pesait même, monsieur, tout bien fort. And when he squeezed my hand, he said, I squeezed his hand really hard. Pour faire sentir que son gros nez qui pesait même. So that he could know that this is a big monsieur man. Monsieur dit qu'il n'est pas physiquement doux, ça va pas se peser même. And he said, I didn't see the student in the physical, you don't have to squeeze my hand. And he said, he didn't explain to me why you say I'm not small. He said, let me explain to you. Not only people say it to me, but I verified it myself. And I said, what did you see? He said, around 1 o'clock in the morning, I passed by your house. You dormi avec porte ouvert. You sleep if your door is open. Et puis tout moi gagne 2-3 soldats qui campaient avec gros armes fond frère devant la caillou. And I see 3 or 4 soldiers standing before your house. Et tu rappelles dans l'année 97 pas gagne l'armée parce que écrasé l'armée depuis 94. And I want to remind you that in 97 there was no army in Haiti because the army was destroyed in 94. Et pas de famille qui dans l'armée. And I have no family members that were in the army. M'pas de rendez-vous avec soldats pour venir veiller. I had no rendezvous with soldiers to come. Mais là, monsieur arrivait devant porte là. But when he got before my door, les jeunes qui campaient avec bazooka. He found les jeunes qui campaient avec mitraillette. They're standing with all the AK-47. With 40 AK-47. Finalement, ils rendent compte que m'pas n'importe qui. And then he came to understand that I'm not just anybody. Hallelujah. Amen. M'daremo comprendre, pasteur. I want you to understand, Pastor. Puisque c'est bon Dieu qui choisit. Because God has chosen. Puisque c'est lui qui relève, Pasteur Jerry. Because He has called Puisque you, Pastor Jerry. Puisque c'est lui placé ministère, Sœur Claudette. Because He has placed you in the ministry. Lui mettait des anges pour veiller sur vous. He has given angels. Des anges ça y est pas qu'à quitter ou mourir avant l'heure. And these angels can allow you to die. C'est des anges qui ont épée dans main. They have weapons in their hands. Ils ont des armes dans main. They have weapons in their hands. Si on a une situation qui trop pour vous. If they find a situation so difficult for you. Ils crasent, ils brisent. They will break, they will destroy. Et ça fait partie des mondes qui vont m'aider. So there's some people that are bothering. Il y a pour quand tu fier lui péter. Et des fois mon a posé question. Il a pas arrivé à comprendre ça que fait là. Mais c'est l'Éternel qui s'y sa servi avec Zangli. But it's the Lord that uses angels. Ou a planifier chemin pour vous. To clear the road Parce for que Bible you. A dit. Because the Bible tells tu marcheras sur les lions. That you actually tread upon the lion. Sur la spique. And the cobra. Et sur les dragons. The young serpent. L'ennemi a compris la grille dessous. When the enemy thinks Et puis le garde des mains en l'air ou a bail bon Dieu gloire. With your hands lifted you'll give the la Lord glory. La bénédiction de l'Éternel. Blessing of the Lord c'est un héritage. Is an inheritance. Un héritage familial. An inheritance for your children. Pour qui ça familial? Well, why familial? Pour qui ça familial? Why familial? Bible a déclaré. The Bible declares. Moi, en tant que serviteur de Dieu. I, as a servant of God. Responsabilité, c'est pour m'enseigner petit moi. My responsibility is to teach my children. C'est pour me témoigner la grandeur de Dieu dans ma famille. It's to be a witness of the greatness of God in my family. D'abord. First. Ha. Dans ma famille, d'abord. In my family, first. Par exemple, son tradition liée pour les enfants de Dieu, depuis dans Exode chapitre 10, le verset 23, Exode chapitre 10,
verset 23. So we see, for example, there is a tradition in the families, according to Exodus chapter 10, verse 23. Exode chapitre 10, le verset 23. M'encourage là côté yé la kayo, checke bibou li la vem, de sorte que pour ka konnen ki sa gagne comme avantage, ki bénédiction ko gagne nan men, en pile des fois ou a jouer à bénédiction. Exodus chapter 10, verse 23. We encourage you to take your Bible to read it with me so that you can see what blessings that you have as a child of God. Écoutez, verset 23 dit, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Où habitaient les enfants d'Israël. Mais jusqu'avant, Pasteur Larry, que ou li verset ça qui te nous li pour peuple là qui suivre nous dans l'église là et moun qui suivre nous à travers internet pour y faire comprendre ça n'a dit là faut aller depuis dans verset 21 parole l'a dit depuis dans verset 21 et je lis parce que la rue pral li pour nous okay. 21 OK. So before we even read chapter 23 I mean verse 23 in chapter 10 we're going to go back to verse 21 so you can have a better understanding of what's happening. Je lis pour vous le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. OK. So, 21-23. Exactly. Okay. So Exodus chapter 10, starting from verse 21 to 23, and it reads, then the Lord said to Moses, lift up your hand toward heaven, and the land of Egypt will be covered with darkness, so thick you can feel it. So Moses lifted up his hand to the sky, and a deep darkness covered the entire land of Egypt for 3 days. During all that time, the people could not see each other, and no one moved, but there was light, as usual, where the people of Israel lived. Alléluia. C'était à l'époque, les enfants d'Israël te doivent quitter l'Égypte, et voilà le roi Pharaon, l'a endurci cœur, il pas veut quitter peuple à aller. So this is during the time when the people of Israel were supposed to leave the land of Egypt, but Pharaoh, he was hardening his heart so that they would not go. Et voilà que l'Éternel pral dit Moïse, nous pral bayo on leçon. Nous pral fayo konnen que moi-même l'Éternel moun pamyo m'gayon distinction spéciale pour yo. And the Lord says, you know what, to Moses, you know what, we're going to show Pharaoh that for my people, that I'll make a special distinction for them. Il dit Moïse, leve main. And he said, Moses, lift up your hand. Commandez pour gon ténèbres qui planaient sur tout pays. Command that there be a darkness over the entire the country. Tellement en pile. And this darkness will be so thick. Moun ap tout près moun, moun pap wè moun. People will be beside one another, but they can't even see each other. Moun ap nan même espace avec moun, moun pap ka touche moun. People will be in the same space, moun pap ka visite moun. People can't visit one moun another. Moun pap ka parler avec moun. People can't speak to one moun another. Because people won't be able to see people. Longez-moi ou seulement. Only lift up your hand. Bible dit dans verset 23. But the Bible tells me verse 23. That there was a light. Malgré que ténèbres dehors. In spite of the darkness malgré outside. Malgré que ténèbres dans l'autre caillou. In spite of the darkness mais in other homes. Mais dans caillou côté petit Israël yo. But in the homes of the children of Israel. C'est-à-dire les enfants de Dieu. That means the children of God. Lumière qui était là. There was a light lumière that was there. Éclairé. That light was there. Lumière baille la vie. The light gave lumière life. Lumière baille l'espoir. The light gave hope. Pas qu'on est qui fait noir qui fait noir qui sous ma terre. I don't know what darkness surrounds you today. I don't know what darkness you on your family. But you have power. Leve main seulement. Lift up your hand only. Glorifier mon Dieu. Glorify the Lord. Et puis les anges de Dieu. And the angels of the Lord. Y lumière pour vous. They will bring the light for you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. There is nothing that God cannot do. I want you to understand he does not change. Son privilège lorsque servant ak serviteur bon Dieu. It's a privilege that when you're a servant of God. Mais c'est pas seulement privilège qui gagne dans bon Dieu. But not only are there privileges. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité. There are also responsibilities. Responsabilité en tant que parent. What is my responsibility as a parent? Faut tu coude dans Deutéronome chapitre 11 verset 18 et 21. Let's go to Deuteronomy chapter 11 verse 18 and 21. Nous pral voir ça rapide. We'll see this very quickly. Hallelujah. Check your Bible. Check your Bible. Check your Bible. Pas oublier que tout ça n'a dit et tout ça n'a fait, nous avons une seule référence, la parole de Dieu. Check your Bible because I want you to understand everything we're saying, everything we're doing. We only have one reference, and that's the Word of God. Deutéronome chapitre 11, verset 18 et 21, je lis pour vous.
Deuteronomy 11, verse 18 and 21, I'll read for you. Hallelujah. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Alléluia. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous les en parlerez quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, par exemple, moi-même qui loin de foyer, moi, de madame, moi, de petite, moi, je dois toujours à parler avec yo de la parole de Dieu. C'est la responsabilité que je gagne. Je continue à lire pour vous. Verset 20. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants. Alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux et seront au-dessus de la terre. Amen. Deuteronomy 11, starting from verse 11, we're going down to verse 21. Starting from verse 18, I'm sorry. And it reads, so commit yourselves wholeheartedly to these words of mine. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Verse 19, teach them to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. 20, write them on the doorposts of your house and on your gates, so that as long as the sky remains above the earth, you and your children may flourish in the land the Lord swore to give your ancestors. Alléluia. C'est responsabilité comme parent. This is my responsibility as a parent. Si m'se serviteur bon Dieu nan kay la, m'pa capable chanter ki pa chanter bon Dieu. If I'm a servant of God and I'm in the house, I can't be singing songs that do not glorify God. M'pa kap tande discours ki pa sorti nan bon Dieu. I can't be listening to this kind of things that do not come of God. Nan machine mwen, m'pa kapab tande musique ki pa musique ki sorti nan bon Dieu. In my car, I can't listen to songs that do not come from God. Parce que son responsabilité que m'gagne. Because I have a responsibility. C'est pour me toujours enseigner petite moi. It's to always teach my children. C'est pour m'établir dévotion dans famille. It's to establish for devotion in my family. Matin le me lever. In the morning when I wake up. Et à soir le me pral dormir. And at night when I'm going to sleep. Qui dem tou? En pile des fois nous dit ti moun yo désordre, mais c'est nous-mêmes qui pis désordre là. A lot of times we say that the children are bad, but parce que nous pas ba yo encadrement que yo mérité. Because we've not nous pas suivre sa parole bon Dieu a dit pour nous suivre. Followed what the word of God says we're supposed to. Parole dit, parole ça en même. The Bible says I'm supposed to write this word. Ça in veut dire parole ça doit toujours en face moi. That means this word must always be toujours avec moi. It must always be with me. Toujours dans cœur. It must always be in my heart. Et c'est pour ça David a déclaré. And that's why David declared. M'a serré parole ou en cœur. That word I shall hide and keep in my heart. Pour pas pécher contre moi. That I might not sin against you. Qui avantage qui gagne l'aime prend parole là et que mettel au premier rang. Well, what advantage do I find when I take the word of God and I give it that first priority in my life? Tell me. Rapide, qui t'aime dire dans Psalm 103, verset 20. I want to remind you, it says in Psalm 103, verse 20. Prends Bible ensemble avec moi, check your Bible with me, look at Psalm 103. Parce que m'ta remet ou même à partir d'aujourd'hui à ou bail la vous on l'autre orientation. Because I want you as of today to orient your life in a different way. Psalm 103. Psalm 103. Verset 20, je lis pour vous. Verse 20, and it reads. Alléluia. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. Amen. Psalm 103, verse 20, it reads, bless the Lord, you his angels, you mighty ones who carry out his plans, listening for each one of his commands. Tout à l'heure, nous avons dit que bon Dieu lui déclenche, lui attribue des anges à votre disposition. Before we're talking that the Lord has, you know, sent out angels at your disposition. Et ces anges-là, ils ont même tout, ils ont besoin de glorifier bon Dieu ensemble avec eux. But even these angels are supposed to glorify God with you. Ça veut dire pendant qu'ils sont en route là avec eux, ils même ont besoin de glorifier bon Dieu. That means as they're on their way with you, they're supposed to glorify pendant God. Pendant qu'ils couchent sous cabane d'un pasteur, les anges bon Dieu mettent pour veiller mieux, ils ont besoin de bailler bon Dieu gloire tout. That means as I'm laying on my bed, Pastor Daniel, the angels that are there are supposed to glorify God as well. Pendant mon travail à Saint-Claudette, les anges qui avaient mieux qu'à protéger moi, qui fait accident par arriver sous highway là, même si m'a dormi derrière volant, parce que il n'est pas impossible pour m'a dormi et puis m'a conduit.
These same angels, when I'm at work, Sister Claudette, that they kept me that way. I got to work, even though I'm driving, I was falling asleep because these things are impossible. I've given you the testimony before that I fall asleep behind the wheel. But according to the word, it says that when I fell asleep, the angels took control of the wheel. But even these angels are supposed to glorify God. Le nom de l'Éternel. They're supposed to glorify the name of the Lord. Comment? How? C'est ambiance que m'a créé pour yo. It's the ambiance that I've created for pendant them. Que m'a parlé, et puis même y'a bay bon Dieu gloire. That means as I'm speaking, they're giving God glory. Mais même là pour yo bay bon Dieu gloire, qui parole yo besoin d'entendre? But when they're supposed to give God glory, what are they supposed to say? La parole de Dieu. The words of God. L'église bon Dieu béni. Psalm 103 verset 20, ça le dit là. En obéissant à la voix de sa parole. Yo besoin d'entendre parole qui sorti dans bon Dieu. That means, according to what we see in verse 20, they're supposed to listen to the words that come from God. Et l'aime fin découvrir passage ça, Pasteur Jerry, qu'on y a moi-même comme intelligent, besoin changer langage moi. So that means I, as an intelligent person, when I discover these words, I must change the way I speak. Because the angels that are watching over me, les pour yo agi, when they're going to act, yo besoin tande yon parole. They need to hear a word. Et parole yo besoin tande a se parole, bon Dieu. Amen. And the words they need to hear is the word of parole God. Qui sorti nan bon Dieu. The words that come of God. Que se fait comme parent intelligent. That means as an intelligent person, madame la kaela, while I'm home, c'est pour m'a parler parole ça. I must be speaking c'est this word. C'est pour chanter parole I là. Must be singing this word. Machine, nan, when I'm in my c'est car, pour m'a tende parole. I must be listening to this word. Vive de parole I must be living this word. Téléphone avec le monde. When I'm on the phone with somebody, bon Dieu béni. I must say God c'est bless you. Recevoir la paix de Jésus. I must say receive the peace of déclaré Jesus. Ça yo, as I'm declaring et puis Zanjo abagi. The angels y a glorifié bon Dieu. Y a obéi à bon they're Dieu. Qui ça bon Dieu dit yo? What has God said? Ou est-ce garçon ça? We see this guy right pour tel here. Men, hold, keep you in his hand. Pas quitter mal arrivé. Même sous elle a dormi prend volant. Elle couché dans cabane monde mauvais contre lui. Nous même râler les âmes. Parce que c'est serviteur qu'il est. Because he is my servant. Hallelujah. Hallelujah. C'est de même les petites moi coucher tout. And this is why when my children are même sleeping, si m'attendais pendant leur dormir la pleine. Even if I'm sleeping, I hear it. Ou bien il t'a malade. And I see that he's sick. Ou bien madame moi. Or my wife. Qui t'a dans une situation difficile. Finds herself in a difficult situation. Puisque me connais me des anges. Because I know I have angels. Qui la cap veillem. Who are here who are watching over me. Ils ont besoin de ton parole pour agir. They need to hear word to qui act. Qui parole lié. What word is la parole de Dieu. The word of God. La situation difficile yo. In a difficult situation. Mes paroles qu'on besoin parler. Here's the word that you la need parole to speak. De Dieu. The word of qui God. Qui ça la parole de Dieu dit. What does the word of God say? I will not be au nom de Jésus ma above. In the name of Jesus, I will be above. Au nom de Jésus ma vive. In the name of Jesus, I will live. Tellement vive, c'est pour me raconter mes vies, bon Dieu. Petit, moi pas mourir. C'est pour petit, moi vivre. Pour me raconter mes vies, bon Dieu. Madame, moi pas mourir. C'est pour vivre. Pour me raconter mes vies, bon Dieu. Mes paroles que j'ai besoin de parler. Je ne sais pas dans quelle situation qu'on est. Peut-être que ton coucher a eu du bagage espoir encore. Il y a toujours des anges qui campent cap dans nous. Ils ont besoin d'agir. Yo seulement besoin que ou même ou ouvre bouche ou déclarer sous la vie ou au nom de Jésus ma vie va au nom de Jésus me guérir au nom de Jésus me délivrer au nom de Jésus pas de condamnation pour moi pas de condamnation pour petite moi pas de condamnation pour mari pas de condamnation pour famille sous la prière alléluia semaine qui s'est passé a me fait une expérience the week that just passed I just had an experience qui marqué famille nous that marked our family. Qui marqué spécialement moi-même avec Darlene Sem. Who marked especially I and my sister Alleluia. Darlene. Hallelujah. As I'm saying. On connaît maman avec Melan Lair la glorifier bon Dieu. I know my hand my mom has her hands. On connaît Darlene la certifier pour dire oui c'est vrai. And my sister Darlene she started to consider that this Alleluia. Is true. Dans semaine ça. During this week. Il arrive que maman puisque elle c'est yo monde qui de selon docteur yo li diabétique hein. So my mom according to what the doctor says is diabetic. Et puis yo matin que nous levé puisque on est avec confinement, il pas sorti, il pas marcher, il y a des calories qui pas brûler. So because she is home all day because of the quarantine, she cannot really go out to burn some calories. Malgré nous essayer mettre la caille là quelque matériel pour être capable faire du sport, faire du mouvement, mais on connaît ces grand monde. Des fois c'est là yo vle. At times, you know, even though we've tried to buy certain exercise equipment so that way she can burn those calories, but you know, because she's, you know, an adult, it's not she doesn't. Mama chérie, m'kono aptade, m'kone, mwemo. Même si m'ap dit ça, j'ai pas parce que barre. Bob, even if I'm saying this, you know, I love you. Alléluia. Et puis, nous constatons que ton sucre est un peu élevé. And we saw that her sugar level was a little high. Et nous bal médicaments généralement que nous habitués baler.
And we give her the medicine that we give her usually. Et puis Darlene Sam t'a décidé pour lui faire une injection d'insuline pour lui. And my sister Darlene decided to give her insulin injection. Gloire à Dieu. Et puis elle a décidé ça, me dit Sam pas bali insuline. And when she decided, I said, don't give her the insulin. Bon, lui insisté. But she insisted. Dit mais OK. And I said, okay. Mais tu dois pas balil. Tu dois pas balil, songez ça. Li automatiquement fin fait injection pour belle maman là. As soon as she finished doing the injection for my beautiful mom. Bon maman là. My good mom. On seule maman là. My only mom. Et vous comprenez? Et puis automatiquement sent-elle subir une déviation. Automatically there was a deviation in her health. Et puis maman vin gon on dépression, on fièvre qui attaque elle tout de coup, li a tremblé, maman vin pour prendre depuis en fait vers zone 1 dans après-midi, rivé vers zone 8 9 heures du soir, maman getan voulait mourir. So from one in the afternoon to 8 or 9 o'clock at night, there was a depression that took over my mom as soon as she got this injection. There was a fever that came along with it. And it's as though my mom, and during these moments, she wanted to die. Et pendant que en bas, puisque ces derniers temps, c'est la cale à nous travailler, et puis, Darlene Relem lui dit, je cours monter non, parce que maman pas bon non. So I was downstairs working, and you know when this happened, my sister called me and said, "Joe, hurry up and come upstairs because mom's not well." Et là monté, m'jouais ma mam nan, belle ti mam nan, m'jouais en agonie, ma mam pas bon. So when I went up, I found that my beautiful mom, you know, my only mom, is in agony. Parce que Daniel, c'est non clin d'œil, c'est non badgé. Parce que na matin c'est mon clévé et mon checké et sucré qui checké tension. C'est moi-même en quoi qui servile déjeuner. Donc il pas mal, mais automatiquement le fin prend insuline et puis il plonge. Et comme si il down. So I want you to understand this happened all in the blink of an eye. Because, you know, in the morning it's I who wake up, who check her blood levels and check her sugar. I check all of these things, but as soon as she took this injection, it's as though instantly she went down. Et là, arrivé dans zone 10, 11 heures du soir, maman t'a kou moun ki pral très passé. Dans le sens que maman vine pas koune moun encore, et puis, regardez, ou vine pas même qu'arrivé ou est noir qui dans yeux li. C'est comme si ou est li entre la mort et la vie. So when it got to 10 or 11 o'clock at night, it's as though my mom was somebody, you know, who was near to death. And in the sense that you can only see the whites of her eyes. Et il faut côté d'aller obligé qu'on y a déplacé pour pas offenser mon mam ni décourager peut-être il pense il t'a décourager l'entrée dans bafou nan ki bonche moi là le crier. So it got so bad that my sister decided to go to the bathroom and it was sense not to discourage my mom and not to think that everything's going to happen. Après ça elle me dit de ma fille pour qui pour tout ira bien. But I reminded her when she came out, when she was crying, that everything is well. M'dou pa bezwen fatigo, lap tan dem la. Ou son jem te dou sa dali. M'dou pa okipo, tout ira bien. I told her, and she's watching right now. You remember I told you that it's all well. Maril monte vin poten se koutou, me la bise vin m'di, kade al konsole madame ou ba, dil pa kriye, tout ira bien. But her husband came up to try to console us as well. I was trying to go back down to console your wife. Because it is well. C'est ainsi que m'passe de elle, qu'on y a m'fait l'appuyer sur moi. Et ça m'a dit là, son bagay qui rivait, et semaine ça là, qui saute passé là. Et tout le monde qui relève, passe Daniel, tout le monde qui a dit, madame, quand on m'a 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 toujours pas au ciel, repose, maman, va bien. Maman bien au nom de Jésus. Amen. So this happened this very week, and I took her and you know I placed her on my chest. This happened this very. Everyone who's calling me, I say my mom is. I'm telling them that she is well. Mais même pour maman, pour comme si vous voulez côté où elle lève les sèches, la personne y est pas celle-là. Nous avons demandé est-ce qu'on voulait de l'eau, maman, comme ça. Il pas qu'à répondre. Il pas non monde ici. Et puis on passait derrière elle et puis me fait la prier sous moi. So you know everything you ask her, you know, she sure her throat is dry, so does she want water? She says no, she's somebody like on the course of death, but I stood behind her. Pendant me fait la prier sur moi, me fait même mouvement Élisée te fait la caille madame là. Amen. And as she's leaning upon me, I did the same movement that Elisha did in the house of the woman. And I took her two hands and I placed her hands in my hands as she's leaning upon me. Et puis c'est comme si moi-même m'apprend la vie qui dans moi pour me mettre dans ma maman.
It's as I'm taking the light that's in me and I'm placing it in my mind. Parce que c'est Bible qui bonne autorisation ça. Il dit moi son source de bénédiction. Because the Bible gives me the authority that says that I'm a source of blessing. Et moi une source de bénédiction pour moi-même. I'm supposed to be a source of blessing for my family. Et puis cette si d'aline descend, li qui t'en prend téléphone, là le relais frère et sous reprendre qui peut-être attendre la Guyane française fito à demain et puis li relais pour le dire nous perdu oui, mais moi m'en prend le trépassé, me dit waouh qui bagaille ça parce que moi me pas au courant c'est là le relais l'eau et sous reprendre c'est après téléphone me sonner puis fito après le pour demander qui est maman mie fito qui t'a crié. So, you know, while I'm doing this, my sister, you know, who has lost all hope, has already called my brother, Guillaume, to let him know that, oh, we've lost our mom. But I didn't notice at the moment because it's later on he called me to ask me. Mais m'te dit, non, pas fait ça. M'te dit, tout ira bien. But I said, no, don't do this because it is all well. Raison, parce que Bible a bon autorisation, lui dit que ça qui sortit dans bouche point, lui gagne la vie la donne. Because the Bible gives me authority that says that what comes out of my mouth has life in it. Kounya m'di non au nom de Jésus, c'est pas seulement dans bouche moi. Ça qui sorti dans même, on prend même maintenant même. On prend me faire la prière sous poitrine moi. M'di si qu'elle m'a battre c'est pour qu'elle batte tout. M'di si regardez, si m'a respirer c'est pour c'est comme si m'a prend la vie dans moi pour mettre dans maman. So not only from my lips, but what comes from my hand, the power, the life comes out from my hands as well. So I take it and I lay it upon my chest and I say, if my heart is beating, then heart must beat as well. It's not something in the life that's in me and I'm placing it in her. Et puis, non instant, même soirée, même moment. Amen, hallelujah. Maman commence à revenir à la vie. Amen. C'est maman qui a là, qui a demandé bal de l'eau. Amen. Même côté à l'imander pour changer la de souli. Yes, God. Et femme dou que pas même te gen possibilité parler du tout. Maman pa ka wè, maman pa konnen moun ki bò kote, la banon seri de parole ta kou moun yo kon di, c'est comme si la de parler. Et puis c'est goumé la goumé pour respirer. So instantly in that same moment, that very same night, my mom, you know, she was healed, and you started speaking and ask for water and all these things. But it was as though before she was somebody who was speaking, who had lost her mind. She was speaking of things that, you know, that weren't even there. Même côté à me chanter cinq créoles. In the same moment, I sang five créoles. M'dit, moun ki mette nan Jésus, yon confiance ki semble. Et de m'chante, yon kapab pa jom tombe, délivrance yon assis. Oh, a confiance nous va marcher, a confiance na triomphe. Oh, a confiance jusqu'à la fin. Bon Dieu. Je chante à confiance. Amen. Jusqu'à la fin. Je n'ai pas perdu la confiance. Amen. Et puis je commence à déclarer. Je dis au nom de Jésus, maman mou vivant. Je dis Seigneur, je dis merci pour maman qui est restaurée. Regardez, je suis un bon frère. Ce n'est pas on qui aime prier. Je dis, je souhaite qu'il attende là. S'il prie, il prie en secret, en silence. Je suis un grand frère qui consacre tout. So I sang the song sing of confidence. I'm thanking the Lord because, and I'm praying. You know, I have my brother-in-law who prays. Who doesn't like to pray? In one sense, he likes to pray in secret. I have a brother that's like this as well. Et puis m'tende monsieur qui prie tout. M'tende monsieur qui prie. M'tende monsieur qui chante à confiance. And I'm singing this song. M'tende monsieur qui dit à confiance nous va marcher. À confiance nous triompher. Or we'll triumph. Jésus va l'ouvrir chemin. God will make a way. Et il ouvrit chemin vrai. And yes, he did make a way. Il tellement ouvrit chemin matin, me font selfie avec maman. Pasteur Jerry, me font photo avec maman et va pita là me bal mettre sous profil loin pour tout monde wel. Et puis maman me cabé, il regarde photo, elle dit oh, ça c'est madame Adema qui l'a dit oui, c'est vous même mon chéri. So because God has done this for me, you know, I I'm so proud that this morning I took a picture of my mom later I'm going to put on my profile. And when I showed my mom the picture, she said, oh, is that Sister Adema? I said, yes, mom, that's you. Parce que bon Dieu ba nous capacité ça. Because God has given us this capacity. Et pour la bénédiction ça qu'elle met dans ou, pouvoir ça qu'elle met dans ou, grâce ça qu'elle met dans ou. And now this blessing, this grace, this power that he's placed within you. Livre qu'on passe le by petit tout. He wants you to pass it on to your livre children. Livre qu'on passe le by madame. You pass it on to your c'est wife. C'est pour petit tout passe le by petit pal. Your children. Mais qui je la fais connait lui même pour le passer le by petit pal. How will they give it to them? C'est ou même depuis jodi a. It's you qui pour enseigner. C'est pour faire connait parole ça c'est lui que la vie a. So to know this word parole is ça c'est lui qui fait mon réussir. This word is how et c'est grâce à parole ça. It's through this word. Qui fait moi avoir nous exister. That you and I we exist. M'bral kito.
I'm about to leave you. Même ta remet ou li avec. But I want you to read with me. Alléluia, Hébreux 1 verset 14. Hebrews chapter 1 verse 14. Pour aller comprendre en vérité qui gagne dans parole ça. So that you can understand the truth that is found in the word. Verset 14. Hebrews chapter 1 verse 14. Alléluia. Les bénédictions de l'Éternel c'est un héritage. The blessings of the Lord are inheritance. Et un héritage familial. A familiar inheritance. I'll read first in English, and it reads, "Therefore, angels are only servants, spirits sent to care for people who will inherit salvation." En créole, en fait, en français, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Amen. Les anges, ils sont là pour travailler en ma faveur. The angels are here to work in my favor. Sous quoi, dans la parole, bon Dieu, dans la promesse, bon Dieu, dans la même la côte où il y a. If you believe in the word and the promise of God, I want you where you are right now. Ou même qui l'église là ensemble avec Kounia. You who are at the church with me right now. Ou même qui suivent moi à travers internet ou bien à travers YouTube ou Facebook. You who are watching whether it be the internet ou bien or Facebook Instagram. Or Instagram. Sous quoi dans parole ça qui écrit dans Bible là dans Hébreux 1 verset 14. If you believe in the word that's written here in the Bible in Hebrews situation. Chapter 1 verse 14, and no matter what the situation. Mettez main sous poitrine ou avec orgueil, là me dit orgueil là avec fierté. Place your head upon the church with what we call for pride. Par la foi. But by faith. Dis les anges. Say angels. Ils sont dans mes services. They are at my service. Ils sont dans mon service. They are here for my service. Ils doivent agir en ma faveur. They work for my favor. Gardez par la foi. By faith. C'est pour dire. Say. Les anges de Dieu. The angels of the Lord. Ils agissent en ma faveur. They act in my favor. I want you to understand these angels. Des médecins là-dedans. There are doctors. Qui font opération. That do operations. Des avocats là-dedans. There are lawyers. Qui font défendre monde. That defend people. Gardez gen même juges là-dedans. There are even judges. Qui font juger monde. That judge people. Gardez gen armée là-dedans. There are soldats. There are soldiers. Gen guerriers. There are warriers. Qui font camper près défense monde. That stand and defend people. Gardez gen anges sayo. And these angels. Gen conseillers là-dedans. There are counselors. Ata même banquier gen financier là-dedans. There are even bankers and financiers. Si toutefois ou besoin promotion financière. If you need a promotion en santé, if you need a promotion, yeah, il y a des anges à ton service. There are angels here. Il y a des anges à votre service. There are angels here at your service. Gardez parler aux anges au Kounia. Speak to the angels right now. Les anges de l'Éternel. Say angels of the Lord. Vous êtes là pour moi. You're here for me. C'est le temps d'agir. Agir. Agir. Agir pour petite moi. For my children. Anges qui là pour bénir petite moi. Anges qui là pour guérir petite moi. Anges qui là pour conseiller foyer moi. Anges qui là pour conduire. Lead me. C'est Bible qui dit. It's the Bible that l'ange de l'Éternel. Angel of the Lord. Camp autour de ceux qui le craignent. Standing around those who fear him. Donc quelle que soit situation qu'on y a. So no matter what the situation you find yourself in. Les anges ils sont en attente. The angels are here for you. Y a tant pour même ou passer l'ordre là. They're waiting for you to give the command. Mais un ordre qui sortit dans la parole de Dieu. But a command that comes from the word parce of God. Parce que yo là pour yo agir, yo là pour yo obéir. Because they're here to act and they're here to obey. Mais y'a obéi à la parole de Dieu. But they're going to obey according to the word si of God. Si vous même en tant que parent. So if you as a parent. Parole qui sort dans bouche ou c'est pas parole bon Dieu. The words that come out of your mouth are not the words of God. Bon garantie ou que pour joindre résultat. Well, I guarantee you will receive the result. Mais si parole qui sort dans bouche. But if the words that come from your lips. C'est parole qui sortit dans bon Dieu. Are the words of God. Et parole qui sortit dans bon Dieu. And the words of God. C'est parole qui bénit. The words that bless. Parole qui protège. The words that parole protect. Qui garder. The words that watch parole over. Qui baille promotion. The words that give promotion. C'est garder ou garder ou prendre promotion. You're watching. C'est garder ou garder petit ou bien. You're only be watching. C'est garder ou garder foyer ou bien marcher. Before to do anything, et que des fois que mon qui m'en demande comment faire. Some people ask you how. Y'a même pensé c'est parce qu'on m'en fout ben. Some people think it's because you're m'en fout. Y'a même qui disent on voulait dire c'est comme ça nègre la gentille avant comme ça. Hey, say oh this is how gentle he is. C'est ange yo. No, it's the angel. Parce que l'ange de l'Éternel. Because the angel of the Lord. Surround those who fear him. Et puisque y'a la pour y'a béni. Ou même la fin béni. When you're done being blessed, bless your children. Bless your family. Bless your family. L'église là. Bless the church. Bless your pastor. Bless your pastor. Bless moniteur. Bless your maestro choralo. Bless your parce que les bénédictions de l'Éternel sont un héritage. Are an inheritance. Un héritage familial. And a family inheritance. Que bon Dieu capable bénir. May the Lord bless you. Que bon Dieu capable garder. May the Lord watch over you. Qu'il faut grâce matin. And may he give you grace. Pour capable reconnaître. So you can recognize. Que la bénédiction de l'Éternel. That the blessings of the Lord. C'est pour vous.
are for you. Et c'est pour famille. Are for your family. M'te dou sa la m'da commencé. I told you this when I was beginning. La bénédiction de l'Éternel. That the blessings of the Lord. Li pas synonyme de l'argent. It's not a synonym of money. Li pas synonyme de belle machine. It's not a synonyme of nice cars. Li pas synonyme de belle caille. It's not a synonyme of nice house. Mais qui t'aime dou en de bénédiction de l'Éternel là. Imagine the blessings of the Lord. Gè caille. There are homes. Gè l'argent. There's money. Gè belle machine. There are beautiful cars. Gè toute qualité bagay. They're all sorts of. C'est à ou même de décider. But it's up to you to decide. Qui sont vle matin. What you want this morning. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.